Coucou les choucrouloutes, ici Loupina pour l'épisode numéro 33 du Bad Challenge, challenge inventé par Niska34, vous avez tous les liens dans la description. Et je le fais en duo avec Elancia, c'est-à-dire qu'il y a un épisode chez moi, un épisode chez elle chaque semaine. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne d'Elancia pour voir la suite tout simplement. Et voilà. Ben, on va y aller, on va arrêter de parler, et c'est parti. Bonjour, tout le monde est dans le rouge, le chien est malade. C'est génial. Génialissime, je suis mais tellement contente, tellement heureuse, tellement... Wouh, yeah, wouh. Bon, on va envoyer le gosse se doucher pour commencer. Il est 8h, on est dimanche, c'est déjà ça, ils sont tous claqués. Ils n'ont pas fait leur devoir. Oh là là là. Elancia, tu me fatigues. Il reste combien de temps à Jean-Max? 5. Vous savez quoi? On va se faire une petite règle pour Jean-Max. C'est-à-dire que je vais m'autoriser à le changer d'âge dès qu'il aura un A. Alors, j'ai pas le droit pour les autres, mais lui, comme il est né hors challenge, j'estime que j'ai le droit de faire ce que je veux. Et si ça vous plaît pas, eh ben, je m'en carre le coquillard. Voilà. Ça veut dire niquez-vous, je m'en fous. Ok, donc la meuf, ça fait pas une minute qu'elle filme, elle est déjà ultra vulgaire. Mais qu'est-ce que je fous sur cette chaîne? Moi, je vais retourner voir les youtubeuses qui sont pas vulgaires. Alors, Angélique, marquise des anges. Est-ce qu'elle a mis l'autonomie, la petite dame? Ouais, donc elle l'a mis. Donc ce que je vais faire comme elle, vous savez quoi? C'est-à-dire qu'ils vont s'occuper de leur derche. Et moi, je vais juste me focaliser. Anaya, il lui reste quoi à faire? Gagner l'argent de rancard. Oui, bon, alors, on a déjà fait pas mal de rancard la dernière fois, donc on va dire qu'on s'en branle. On va s'occuper d'Angélique, tout simplement. On va juste s'occuper d'Angélique. Donc, si tu peux manger quelque chose, ça m'arrangerait. Est-ce qu'au moins, il y a des trucs à bouffer? Oui, c'est quoi? Haricots saucisses, super. Donc, tu vas puer du cul, ça va être cool. On va engager un traiteur. Si ça veut bien. Il n'y a pas? Faut en connaître un, c'est ça? Merde. On peut pas en appeler un, genre en service, en engager un traiteur, là? Oh, je sais plus où c'est. Répondre au mail. Ouais, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Gna, gna, gna. Alors, acheter des cadeaux, acheter une clinique veto, se faire passer pour malade, blablabla. Ah bah, c'est là. Un service domestique. Qui c'est qui avait un peu de compétences en vétérinaire? Je sais plus si c'était Steven... Non, je crois que c'était Anaya... Marwa, pardon. J'ai vraiment de la merde, moi. Je sais plus. Non. Dressage. Merde. Avec qui j'avais mis... Avec qui j'avais fait... je ne sais plus. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais déjà... Enfin, Jean-Claude était déjà tombé malade et c'est nous qui l'avions soigné. Bon bah écoutez, ça va être Anaya, examiner Jean-Claude dès qu'elle aura fini son bordel. Alors, proposer un truc à l'adoption. En vrai, on pourrait tellement se débarrasser de Jean-Claude. Ah, y'a pas? Ah bah très bien. Je pense qu'il faut en connaître un véritablement pour faire ça. C'est chiant. Qu'est-ce qu'elle a? Voir ce qui se passe. Non mais on s'en fout. Nourrir à la main. Et le chien. Jean-Claude a faim. Pfff. Non mais ça se passe de commentaires. Hein. On va l'appeler pour qu'il vienne manger. Alors je sais pas si c'est un bug. Ou si c'est vraiment, si c'est vraiment Jean-Claude qui est con comme un balai. Mais en tout cas sachez que ça, c'est un peu relou. Il vient ou pas le petit Jean-Claude? Non, il vient pas, c'est génial. Pourquoi il y a du gâteau par terre? Mais c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Ok. Ah, mais je sais. Elancia a eu un souci avec le gâteau. Enfin, elle n'arrivait pas à faire le gâteau dans la cuisinière. Je pense juste que c'est parce qu'il y a déjà un gâteau dans la cuisinière qui doit pas être fini de préparer. Donc, on va ouvrir ça, voir s'il reste un truc. Allô? Merci. Cuisiner. Non, bah c'est bon, normalement c'est bon. Par contre, j'aimerais bien vraiment pouvoir engager un traiteur. Ça me casse les noisettes. Angélique, elle mange et elle ira améliorer sa compétence. Ah, sa compétence logique.
D'ailleurs, j'ai mis cerveau exceptionnel et je crois que j'aurais pu mettre autre chose. Attendez, que je regarde ce qu'il reste à faire. Oh, ça va être horrible. Érudite, putain, spécialiste des fusées. Ça, mais on va tellement chier les gars. Je pense que je jouerai un peu hors caméra pour lui monter. Parce que c'est tellement long et tellement chiant. Bref, non, 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 tu vas pas regarder la télé. Je t'ai demandé de faire un truc. Je t'ai demandé de faire un... Voilà, nique ta mère, c'est moi qui commande. Alors, tu peux aller examiner Jean-Claude, s'il te plaît? Allez, viens, Jean-Claude. Voilà, il vient. Très bien. Allez, voilà, pauvre chien. Oh, le pauvre toutou. De toute façon, je pense qu'il va bientôt claquer, le pauvre vinche. Donc, consulter le dossier. Écoutez, je sais pas ce que je fais, mais c'est pas grave. Examen des yeux. Ensuite, on va calmer le patient. Le patient n'est pas stressé, d'accord? Voilà, il est stressé, là! Oh, pauvre toutou. Oui, ça va aller. Ça va aller. Pauvre chien, quand même. Allez, Zouzou, bah c'est bon là, il est calme là. Ok, examine la gueule. De toute façon, c'est chiant ça, les maladies. Enfin bon, traitement, traitement, guérit tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, balai à chiottes? Balai à chiottes se demandait si je voulais lui rendre visite et passer un peu de temps avec lui. Alors, non. C'est bon, il va mieux? Ah, super. Pendant qu'on est là, on va le laver, donner un bain à Jean-Claude, parce qu'il est dégueulasse, ce pauvre chien, encore. S'il vous plaît, c'est la fin de sa life, il serait peut-être temps que... Qu'est-ce qu'elle fait, cette grognasse? Alors, grosse connasse, je t'ai demandé très gentiment d'aller faire... Le souci avec l'autonomie, c'est que dès qu'on passe sur un autre Sims, bah ils font n'importe quoi, ceux à qui on a donné des choses à faire. Et ça a un tout petit peu le don de m'emmerder, genre profondément, vous voyez? Bref, oh là là, bah ça on s'en fout. Le Jean Kéké, ouais, ça va. Est-ce qu'on a des factures à payer ou je sais pas quoi là? Prendre le courrier. Oh putain, on doit avoir des factures sûrement. Maladie soignée, très bien. Alors, ah non, c'est des cadeaux. Ouvrir, attendez, ça on va vendre. Et ouvrir, ça on vend, ça nous fait toujours un petit peu d'argent. Voilà, surtout que ça sert à rien. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. Bon, allez, va te doucher parce que tu schlingues. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. J'ai. Non, c'est pas passé. Je sais plus ce que je voulais dire, les gars. C'est triste. Bon. Faire des recherches, machin, ouais, bref. Alors, Angélique, pourquoi elle a mis sa tenue de lapin? Oh là 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 là. Oh là là là. C'est quand qu'elle grandit? Alors, vous ne voyez pas, donc je vais vous le dire. Dans 5 jours, très bien. Eh ben, on n'est pas dans la merde, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'aimerais bien monter sa compétence, mais c'est vrai que ça doit être assez relou pour vous de regarder, parce qu'en soi, il se passe rien dans le bad challenge, hein. Jean-Claude a faim. Encore? Mais c'est pas possible, écoute. Appelez pour qu'il vienne manger, appelez pour qu'il vienne manger. Je vous préviens, on reprend pas de chien après, hein, c'est mort. Hein. C'est mort de chez mort. Déjà, Jean-Max, il va dégager dans 5 jours, là. D'ailleurs, Jean-Max, espèce de connard, tu vas faire tes devoirs. Hein? Et plus vite que ça. Oh là là, tu vas faire tes devoirs comme ça, après, tu auras un A. Et il te faut une compétence 4. Alors, en quoi? Bah, en faculté motrice, donc tu iras jouer aux jeux vidéo après. C'est que ce bordel, putain, mais je les reconnais pas avec leur machin. Ça, c'est Jean-Kévin, ok. Jean-Kévin aide à faire les devoirs. Qu'est-ce qu'il fait? Aller au travail. Ah bah non, bah tant pis. Je vais me faire foutre. Ça, c'est qui? C'est Marois, très bien. Toi, t'as dit à Jean-Claude de bouffer ou pas? Parce que, ouais, c'est bon. Parce que vu qu'il est un peu con, aide-le à faire ses devoirs. Allez, zou. Et toi, ouais, t'es triste, mais c'est pas grave. Anaya. Marwa, putain. Je les confonds tous. Elle a super soif. Et niveau de son truc, elle en est où? 9 sur 20. D'accord, ben on n'est pas dans la merde. Bon, écoutez, ça me saoule là, leur tenue. Je vais les relooker hors caméra. Et après, j'ai une petite idée de ce qu'on va faire. Donc, ben, je reviens. Nous revoilà dans le jeu. Vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fout à Saint-Michel? On va aller. Donc j'ai pris Marois.
J'ai rien fait d'autre parce qu'ils m'ont tous gavé. Donc, comme on n'a plus énormément d'argent, je me suis dit, il est temps, plus que temps, de se faire un peu de thune. S'il n'y a plus Jean-Max, c'est parce que je l'ai envoyé chez Jean Mou ou chez Balai à Chiottes, je sais plus. Le temps de faire mes petites affaires. Alors, où c'est que c'est? Voilà, on va aller draguer ce mec. Donc, présentation amicale. On a mis l'aura romantique, donc normalement, c'est bon. Je sais pas pourquoi il est triste, je m'en fous. Bonjour! Voilà, il est heureux, bizarrement. Bon alors, on va discuter avec. Je crois qu'il est snob en plus. Je sais, attendez, est-ce que Marwa, elle a... Ah oui, oh putain, elle a grave de points. Alors, non, pas les potions. Étanche, on s'en fout. Observatrice, comme ça, on voit tout de suite ces trucs. Mentor, négociatrice, blablabla, économe, indépendante. On s'en fout de tout ça sans gêne. Les Sims ne sont jamais embarrassés. Ah oui. Ah oui. Oui. On va mettre captivante aussi. Et on n'a plus de points. C'est quoi ça? Besoin de personne, j'avais jamais vu. Jamais fatigué, toujours rassasié, blablabla. Du coup, il y a quoi en 2000 points? Visionnaire, résistante à la chaleur. Ouais, bon, on s'en fout de ça. Pour le moment, on s'en fout en tout cas. Incroyablement amicale. Voilà. Alors avec ça, si elle n'est pas cheatée, franchement. Donc, on va complimenter hein, le monsieur là, faire connaissance, comme ça on va savoir ce qu'il est exactement. Discuter des auteurs favoris, voilà. On nous fait un peu raconter sa life, même si on n'en a rien à foutre. On veut ta thune, on veut ta thune. Ouais. Et ensuite, quand on aura fini avec lui, j'irai draguer quelqu'un d'autre, pas forcément dans cet épisode, mais j'en ai deux, trois Sims de rechange là. Alors, il est perfectionniste. Ok. Ah oui, elle est froide, cette conne. Oh, on fait chier. Bon, c'est pas grave. Si c'est elle qui drague, ça devrait aller. Charmé. Voilà. On va faire ça. Alors, je sais pas trop s'il va être ok parce qu'il est marié, hein. Oh, très enjôleur. Ah oui. Ah, mais là. Oh my god, quoi. Flirt futile. Putain, c'est chiant, elle est froide. On peut faire. Non, on va pas le transformer, c'est bon. Oh, putain, et il est chaud, hein? Il est chaud. Chuchoter des banalités. Mais je pense que c'est le visage séduisant qui fait ça. Après, il n'y a pas des masses de points dessus. Il n'y a que le niveau 1. Il va nous envoyer chier, tu vas voir. J'ai trop peur qu'il nous envoie chier. Ok, il y a les trois quarts des trucs qui sont barrés, c'est génial. conversation profonde. On continue en même temps de monter l'amitié, hein. Technique de drague osée. Ah, elle est confiante. Super. Ça, c'est cool. Allez, drague-le. Faut le pécho. Ça a descendu, non? Qu'est-ce qu'il y a? Il fait quoi? Eh oh, eh oh! Trou de cul! Viens ici! Non, mais c'est une blague! Mais, viens là! Il va où, ce con? Ah, il va bouffer comme ça, au calme. Ben non, 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 je crois pas, non. Je ne crois pas, monsieur. Il faut qu'on se pécho. Je vais te pécho. C'est chiant, ça. Technique de drague. De toute façon, on a... Oh, putain, il nous a mis un gros râteau, là. Connard. Bon, de toute façon, voilà. Parfait, c'est ça que je voulais faire. Ok. Alors, tu viens avec nous, chérie? Vendre tout. On va être riche. On va avoir plein de blé. Ma came frise. Toujours lors du chargement. On va être riche. On va être riche. Et Lanza va venir dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Aïe, aïe, aïe. Bon, si vous pouvez charger plus vite, par contre. Allez, allez, allez! Est-ce qu'on peut le tuer d'énervement? Bon, après, ils vont être tristes, ça va être chiant, mais bon. Bref, bon, bah, je vous reprends quand c'est chargé, hein. Ah non, c'est bon. Ok, parfait. Regardez la monnaie qu'on a.
Bon alors, où c'est qu'elle est? Bah viens là, viens là Marois, il est où ce con? Ah oui donc au calme là, est-ce qu'il peut engager un traiteur lui? Parce qu'il doit connaître du monde quand même, non il sert vraiment à rien ce garçon. Bon, viens là, et toi, on va l'engueuler en fait, enfin on va lui faire la misère. Angélique, si tu vas bien, tu vas aller faire la compétence logique s'il te plaît. Pourquoi il y a eu plus de 300? J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est fou? Oh là là, ça me saoule. Caleb, est-ce que tu peux genre être méchante, snobée, se moquer de la mortalité? Tu m'étonnes. On va dire demander d'en rester là. Alors c'est où? Voilà, de garder une relation amicale. Caleb, on n'a pas le temps, chouchou. Hein, on n'a pas le temps pour toi là. Gaston, si tu veux vraiment servir à quelque chose, jette-moi ça, c'est dégueulasse. Il y en a partout, c'est immonde, ça me saoule. Et toi, va faire à manger. Parce que tes gosses, ils ont faim là. Il n'y a plus rien à bouffer, c'est honteux. C'est bon. Est-ce qu'on peut le bouffer avant de partir? Non, en fait, j'ai pas envie. Malice se disputer à propos de la politique, je sais pas. Repousser. C'est trop vache. Se moquer de la tenue. Voilà. Allez, plus vite. Pourquoi il est encore amoureux, ce con? Ah, ça y est. Bon, du coup, on va aller hiberner. Et toi, tu vas faire de l'entraînement jusqu'à bah, jusqu'à t'épuiser, en fait, jusqu'à crever. Conversation aggravante. Ok, le mec est content. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ah, c'est particulier, hein? Bon, va vivre ta life, m'en fous. Angélique, t'en es où? Ok. Non, pas jouer avec, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Gaston, il fait quoi? Ah bah très bien, tu fais du yoga, c'est parfait. Anaya, je pense que fou. On va ranger la salade. Je lui avais pas dit de faire une salade, je lui avais dit de faire autre chose, non? Elle s'en bat les couilles, la meuf. Qu'est-ce qu'il a? Risée vestimentaire. Ok. Allez. Entraîne-toi et plus vite que ça. Ça va être long, putain. Allez, encore. Oh, ça y est, va bientôt crever. Allez! Mais non! Mais nique ta mère! Fais du sport encore. Va courir alors. Je veux qu'il meure! Je fais comment? Très mal à l'aise. Niveau de fatigue dangereux. Mais je sais! Mais c'est le but qu'il meure! Putain, c'est relou! Y a pas un petit cube là quelque part? Qui les rend. Ah, parfait. Vous savez, le truc qui les rend d'une autre humeur. Je vais y arriver. Non, viens ici. On va mettre ce petit cube-là. Activer l'aura émotionnelle, comme ça, il va. Non, mais sérieux, Jude, merci. Tu y vas, tu actives ce truc. Étude-le, pardon, si ça t'amuse. Putain, mais fais chier! Eh, mais c'est de la merde, c'est une nouvelle mâche, ça! Putain! Yesh! Ça me saoule! Ça me saoule! On pouvait avant les tuer comme ça, c'est quoi cette histoire? Bon bah tant pis. Il reste 2 heures en plus. Super quoi. Bon, tu vas venir là. On va t'enfermer dans la salle de bain, écoute. Voilà. Hop, verrouiller la porte pour bloquer un Sims. Bah c'est toi qu'on veut bloquer, donc verrouiller la porte pour tout le monde. Voilà, comme ça tu restes là. Ça me saoule, ça me saoule. Elle est assise sur. Oh putain, elle est. Ah super, étape terminée. Ça c'est cool les gars. Alors ça veut dire que on doit atteindre la compétence 5 en bricolage. Putain, on est dans la merde. Lancer ou améliorer la fusée. Très bien, tu vas venir ici et tu vas construire. Ça coûte la blinde, mais au moins. Allez Angélique, arrête de jouer s'il te plaît. Arrête de jouer. Merci. Est-ce qu'ils peuvent réagir un tout petit peu plus vite que d'être plantés là pendant 1000 ans, à attendre je ne sais quoi? Parce que c'est une chouille pénible quand même. Donc je pense qu'en montant la fusée, elle va apprendre le bricolage. Il me semble, je pense, j'espère. Ah bah non. Non, je vais me faire enculer du coup. C'est génial. Je pensais qu'elle apprenait aussi le bricolage, du coup je suis un peu déçue. Ça veut dire qu'il va falloir lui faire apprendre le bricolage et la fuséologie? Donc vous mettez une compétence fuséologie alors que je suis à peu près sûre que 3/4 des gens ne jouent pas avec. Par contre, une compétence patinage, c'était trop dur. Ok, les Sims, merci pour votre logique.
Niquez-vous! Bon, il en est où ce gros con là? Il reste combien? 0 minutes, c'est bah, c'est bon? Ok, donc on va débloquer et tu vas y retourner. Entraînement. Ou alors on va le faire se noyer dans la piscine, hein. Moi je vois que ça. Hein. C'est chiant. Non, va pas dormir. Alors là, c'est hors de question, mon petit vieux. Oh putain, mais ça me cave! Oh bon, allez, si. Va dormir 5 secondes dans le lit de Jean-Max, là. Putain, qu'est-ce que ça me gonfle? Vous pouvez pas savoir à quel point ça me pète les reins. Bon bah tu dors. On va juste attendre un tout petit peu qu'il soit plus haut. L'énergie, genre qu'il revienne dans le orange. Bon c'est bon. Tu peux aller nager maintenant. Voilà, faire des longueurs. C'était quoi ce bruit? Ça m'a fait peur. C'est toi, Angélique? J'ai tellement eu peur. Il y a eu un gros boom. Je sais pas si vous avez entendu. Ouais non, ta gueule, Lily. On va mourir. Allez, vas-y, connard. Qu'est-ce qu'il fout? Oh putain. La 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 la. Il en est où de la faim? Affamé dans 21 h. Ok, bon, va faire une sieste. Ferme ta gueule, va faire une sieste. Va faire une sieste! Putain de vieux de mes couilles. En plus, il est moche, ce Sim, je l'aime pas. Allô? Allô le jeu? Allô, faut réagir. Merci, au revoir. Oh putain, Ikiasos. Bon. Oui, alors, toi, tu vas aller. Hop. Non, 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 c'est n'importe quoi, ça, comme d'habitude. Ça me casse les couilles, hein. Voilà, on va prendre une douche, faire tes besoins et au lit. Tout le monde dort. Steven, si tu peux aller dormir, ce serait pas mal. Non, va pas pisser, va dormir juste. Et elle dort où? Qu'est-ce qu'elle fout? Va dormir, s'il te plaît. Quoi? Arrête de jouer avec Jean-Claude, va dormir. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Je te dis d'aller dormir, espèce de connard. Il va pas dormir dans le jacuzzi, quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ce gros blaireau encore? Bon, c'est bon, on peut aller dans l'eau maintenant. Allez, vas-y. Oui, je m'en fous que tu sois Jean-Claude à faim. Bah, et qui crève. Voilà, parce qu'il me casse les couilles, Jean-Claude. Va dans l'eau. Oh putain, va dans l'eau, fils d'up. Est-ce que vous sentez la rage qui émane de tout mon être? Parce que, sachez-le, c'est assez violent présentement. Voilà, pisse-toi dessus, c'est parfait. Non, non, pisse-toi dessus. Il est où? Non, alors tu vas venir ici et tu vas te manier le train. Arrête de bugger, dude, parce que vraiment là, tu me casses les noix. Mais vous savez quoi? Bon, allez, pisse-toi dessus qu'on en finisse. Vous savez ce qu'on va faire? Pourquoi 600? Chèque de là. Bah super, il nous rapporte de la thune au passage. Non, vous savez ce qu'on va faire? Tu mérites, mon gars, une mort lente et douloureuse. C'est tout ce que tu mérites à me casser les couilles comme ça. Donc, on va lui faire une petite pièce, rien que pour lui, où il pourra crouler sous sa pisse. Tranquille le canard, fils d'Ève. Non, là, franchement, il m'a saoulé, là. Le gars, rien à faire, quoi. Il veut pas mourir, je sais pas. Voilà, viens là. Ah oui, alors, attendez, il faut que je ferme le truc, que je mette un escalier. Oh, puis, écoutez, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi ça fait pas... Voilà. Il m'a tellement gavé que... Voilà, téléporte-toi. Dans la pièce. Et le jeu! C'est bon, tu le fais là? Le jeu! Merci! Au revoir. Allez, c'est bon, crève. Ah, toi, tu vas... Quoi? Quoi? Le qui crève tout à l'heure, c'était pas littéraire. C'est horrible. Il y a la musique. Oh non, Jean-Claude. Je sais pas si vous voyez, j'ai les larmes aux yeux. Mais Jean-Claude. Bon, il est pas mort. Putain. Il est pas mort de faim, il est mort de vieillesse en fait. Il est temps pour lui d'aller reposer pour l'éternité. Ouais,
Bah, on va arrêter là parce que j'ai envie de chialer. Ah, oh, Jean-Claude. Ah, mais là, vous êtes autorisé à pleurer, là. On va lui mettre un petit mot sur sa tombe. Je vais le mettre. Je vais le mettre en plein milieu comme ça. Elantia va le voir. Repose en morceaux. Franchement, c'est... Non, je vais mettre. Il était con, mais mignon. C'est tellement Jean-Claude. Ah, oh, putain, l'horreur. Et l'autre, elle est pépouse sur le... Oh là là. Repasse le test. Je sais pas, là. Excusez-moi, je suis buggée. Tu peux aller... Ah, il a pas d'emploi. Et tu veux pas faire un emploi pour nous ramener un peu d'argent? Non, en vrai, c'est Lancia qui s'en chargera. Putain, je suis tellement choquée. Marwa, va faire un job, toi. Parce qu'on sait jamais quoi faire avec toi. Waouh. Oh, putain, je savais que ça arriverait. Mais j'espérais que ce serait pas moi qui vois ça. Épuisé. Oui, bah, c'est bien. Oh, la vache. Marwa va se lancer dans les affaires. Je suis, mais... tellement... Bon bah Jean-Claude est mort. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre Jean-Max avec nous. Je vais attendre que l'autre crève et quand il sera mort, je vous reprendrai. Bon, du coup, j'ai vu que ça faisait un peu trop longtemps que je filmais, donc je vais tout simplement vous dire au revoir ici. J'ai ramené Jean-Max, il va partir à l'école incessamment sous peu. J'espère que l'épisode vous aura plu, je me sens pas très bien, je vous avouerai. Je sais que c'est des Sims, mais c'est pas grave. Et je vous envoie plein de cœurs et de paillettes. N'oubliez pas d'aller voir la réaction d'Elantia la semaine prochaine. Et salut! Battle, symphony, please just don't kill.